m'a envoyé cette recette de Awa Belle. J'imagine déjà pourquoi. Coucou les Italiens. Ouais, coucou les Italiens, j'ai déjà compris. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire des pâtes spéciales. Des pâtes. Italien, ok. Oui, j'imagine, et spécial italien. Je vous invite à regarder cette petite recette. Les Italiens, concentrez-vous parce que Alibaba. Tu vas pas cuisiner les pâtes là-dedans, par contre. Ce truc, je pense qu'il a vu 400 milliards de conflits internationaux et mondiaux. Je suis sûr que t'es parti en guerre avec ça. Voilà. Il a abîmé tout. De l'huile. Ensuite, on va faire, du coup, on va rajouter les oignons frais avec des tomates frais. De l'huile. L'huile est étonnant. Elle ne met jamais l'huile. Des oignons, mais les pâtes, alors, tu le fais où? Elle est où la casserole avec l'eau? Mettre des tomates frais, mais c'est bon. Oignon. Donc je vais mettre du sel, du coup. Ouais, du sel. Stop avec le sel, arrête. Je mets le reste du cube. Le cube. Les steaks hachés. Des steaks hachés, c'est quoi le rapport avec les pâtes? On met de l'eau après. En plus, ils sont congelés. Faut les décongeler avant de les cuisiner, les steaks. Hein. Ça va être dégueulasse. Du coup, là, je mets du poivre. Du poivre? Mais tu fais des steaks hachés, tu fais pas de pâtes. Ouais. C'est quoi le rapport avec l'Italie, ça? C'est l'Amérique. Tu vas faire des burgers? Ensuite, je vais mettre du cube. Du cul? Elle va mettre du cul? J'ai pas compris. Et ah, du cube! J'ai eu peur. Voilà. Mais le cube, c'est quoi? Il y a quoi dedans dans le cube? C'est quoi? On dirait du zafferano, mais c'est pas du zafferano. Et ensuite, je vais mettre de la sauce tomate. On n'appelle pas ça de la sauce tomate. Ce vieux truc en carton avec de ce liquide rouge, c'est pas la sauce tomate. Hein. Purée de, c'est du pu, de la purée de tomate déjà, il faut la cuire avant. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais m'énerver là. Hein. De faire que pour moi. Ouais, donc que pour toi parce que personne va le manger de toute façon. Hein. Mais t'auras des problèmes à l'estomac, à Wabel, c'est pas possible de manger tous ces ordures là. Et puis je mets de l'ail. De l'ail, des oignons, de l'ail, la laine, tu vas tuer une armée entière. Hein. Non, mais elle a mis quoi? De l'origan aussi, j'ai pas vu. Et maintenant, on laisse cuire un petit peu. Un petit peu. Les spaghettis. Ça, c'est du vrai spaghetti italien. Ouais, j'ai pas vu la marque, heureusement. De manière de. Voilà. N'oubliez pas ce qu'il vous a appris auparavant. Mais il faut les mettre dans l'eau. Hein. C'est moi, franchement, je vous en dis. Alors, on coupe les pâtes. Non! Non! Dedans. Non, attends, déjà tu coupes les pâtes, c'est un énorme sacrilège. C'est prison directe en Italie. En plus, tu les jettes crues dans la sauce. Non. Ah! Je peux pas, ça me dérange de voir ça. Je peux pas voir ça. Mélange. Mais comment tu penses qu'ils vont cuire comme ça avec un doigt de sauce? C'est l'eau du piment. Parce qu'ils aiment beaucoup. Ok, j'ai compris comment ils vont les cuire. C'est quoi? Ce truc, il y a le steak dedans, l'eau, la sauce, la purée de tomates, les oignons. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? On dirait la vaisselle quand tu laves tes assiettes sales. On va laisser cuire. Non, mais. Du coup, là, c'est prêt. Maintenant, je vais mettre dedans la tasse. Oh là là. Voilà les Italiens. Des œufs en plus. De la bonne patos. Patos, oui, patos. Pas pâte, ça. C'est pas du pâte, de la pâte. Accompagné d'une demi-baguette. Ouais, les œufs, c'est quoi le rapport avec les œufs, le steak?